Eh bien bonjour chers amis, on se retrouve pour pour la suite de notre Odyssée avec Cassandra. Souvenez-vous la dernière fois, on était venu sur l'île d'Ithac qui se trouve juste à côté de Kefalonia. On avait récupéré le voile de Pénélope, on doit le ramener à Elpenor et on avait aussi sauvé la jeune fille qui est là-bas. Et il fallait l'accompagner au palais d'Ulysse. Donc, on va regarder quand même avant de poursuivre l'aventure. Voilà. Donc ça, c'est une quête de niveau 6, on peut la faire. On va la faire tout de suite, je pense. Dans l'inventaire, on avait récupéré des choses. Donc on va regarder. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre. Niveau 7, niveau 8, on n'a pas encore ce niveau. Et là... Voilà, on avait une épée, mais à la fin, voilà, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ça, donc on va la démonter, je pense. Et là, on avait récupéré une hache de pierre, arme lourde. Il n'y a pas de différence avec celle-là. Une lance. Et une lance de guerre. Voilà, bon. Je pense qu'on va garder qu'une seule lance ici. On va démonter le reste. Ah, ça n'a pas marché. Ça, on récupère le matériel. Là, on va garder les deux. On verra après, quand on aura le niveau, pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, si on garde ou pas. Et ici, bien sûr, on avait récupéré le voile de Pénélope. Et un ostraca. Si tu empruntes le chemin vers le nord, sur les traces d'Ulysse, tu trouveras un petit élevage de chèvres d'Ithac où il a rencontré Athéna avec un déguisement, mais elle l'a aidé à reprendre son épouse et à tuer les prétendants. Tu trouveras la récompense sur un cadavre de chèvre. Donc ça aussi, on va le faire. Peut-être pas dans cet épisode ou celui d'après, j'en sais rien, on verra. Déjà, on va poursuivre ici avec... Alors, dans le camp, on avait tué tout le monde, donc normalement, il n'y a plus personne. Il n'y a que des ruines. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grandiose? Mes parents m'ont appelé Odessa, en hommage à l'Odyssée. J'ai pensé qu'en venant ici, tout me paraîtrait plus clair. Et c'est le cas? Pas du tout. Ramène-moi à mon bateau. Je te paierai là-bas. Alors nous, on va revenir puisqu'il y a des coffres et il y a plein de choses. Hein. Tiens, voilà pour toi. Ce que je suis déçue. Pourquoi cet endroit compte-t-il autant pour toi? Tu plaisantes? Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Charybde et Scylla. Il avait tout. La loyauté, l'amour, l'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux. Ce qui lui a valu pas mal d'ennuis. Et a fait de lui une légende. Alors oui, c'est vrai que là, on a le choix. On peut draguer Odessa. Alors, histoire de voir le jeu dans son intégralité, moi je propose que... Voilà, on va pas le faire à chaque fois qu'il va avoir des cœurs, hein, à chaque fois déjà qu'on va avoir autour. Mais on va le faire là pour, pour voir. À prétendre que rien ne pourrait t'arrêter. Je n'aime pas beaucoup qu'on me qualifie de mignonne. D'accord, tu es moche, ça c'est pas mal. Je pourrais trouver d'autres mots, tu apprendras, d'accord, tu es moche. Avec le temps, tu apprendras à aimer tout ce que j'ai accompli. Tu es bien sûr de toi. J'ai quelques succès sur lesquels m'appuyer. Je n'en doute pas. Qu'est-ce que tu en dis? Je crois que j'étais d'une humeur bien plus sombre avant cette journée. J'ai envie de tant de choses. Atteindre la grandeur d'Ulysse. Mais par où commencer?
Si tu veux atteindre la grandeur d'Ulysse, tu dois cultiver tes talents. Il était célèbre pour son intelligence et sa ruse. Toi, qu'as-tu fait? Je suis venue jusqu'ici. Pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse. Pas pour vivre la tienne. Je savais qu'il ne fallait pas chercher conseil auprès d'un mercenaire. Laisse-moi. Ouais, bah, je pense qu'on a raté le coup. Elle s'est téléportée? Qu'est-ce qui s'est passé quoi, là? Elle est passée où? Bon, bref. Alors, moi, avant de retourner voir Alpenor, j'aimerais vraiment qu'on fouille cette île. Voilà, que là, il y a un truc. Là, il y avait un coffre. Puis là aussi. Donc, on va aller voir tout ça. Vous voyez que ça? Ah, c'est un petit camp. Il n'y a pas de, trésor. On a aussi un coffre aussi qu'on a laissé derrière. On ne sait pas qu'on aille le récupérer. Il n'y a rien. À quoi ça sert alors? Lui s'est mis en face, ok. Lui je peux pas l'assassiner que de là, donc si je passe par là je pense qu'on va me voir. Qui peut s'y faire? Tu as des nouvelles du viandard? J'espère que ce marchand d'esclaves t'est revenu. On se moque de nous, sûrement. Il va falloir leur montrer qui commande. Allez vous mettre plus loin aussi la prochaine fois, non? Rien, c'est curieux. Ben allez, venez. Ah non, voilà. Ils m'ont gonflé. Ah, vous êtes mous les gars. Ah, il y a le feu. Ok. Je pense qu'ici il va y avoir un million de pierres à récupérer. Non, apparemment. Alors.
Hop, il n'y a plus rien. On a tout fouillé là déjà. Bon, ben on y va. Donc il n'y avait rien à part un coffre qui m'avait en fait été déjà été indiqué. Donc je pense que c'est le coffre qu'on voyait quand on était du côté du palais d'Ulysse. Voilà. Ensuite, on va aller là. Ouais, on a encore récupéré une superbe arme. On va démonter. Élevage de porc de Maros. C'est un lieu historique. Ok. C'était pas indiqué sur la carte. Hein. Ah, on peut voler, ouais. Alors ça c'est encore un clan avec des bonhommes. Ok, il y a un chien. Ah, et en plus, il y a un loup. Pourquoi pas? Avec l'arrivée du loup, ils m'ont oublié. Enfin, ils ont oublié l'archer qui a tiré. Tout. Alors, donc elle est moins intéressante que celle qu'on a là, donc on va démonter. C'est tout. Ok, alors je veux juste, alors on va essayer de faire ça. On va essayer, parce que je vois pas du tout au nord de d'Ithac, oui d'accord, mais... On va fouiller un petit peu la zone, là, on va aller voir. Et puis si on trouve pas, on va pas galérer sans temps non plus, hein. On va aller voir Elpenor. Alors il y a des chèvres, donc ça devrait être dans le coin, hein. Il faut trouver le cadavre d'une chèvre. Ah.
Donc là, il y a des falaises. Donc ça c'est l'élevage de... Ah non, ferme aux chèvres. Ok. Ah, il y a des loups, ok, comme d'habitude. Et du coup, je me fais attaquer par les coqs. Alors, ça doit être là. Nouvelle gravure disponible. Voilà, voilà. Bon. Ben, je pense que... on n'a pas fouillé le lieu, on va fouiller quand même. S'il y a autre chose. Ouais, ça a pas l'air de le déranger, donc ça va. Alors, on va continuer. Puis là, on va aller voir... on va aller voir Elpenor. Donc, on va retourner de ce côté-là. Là. Ouais, donc, bon, on va éviter de voler tout le temps. Hein. C'est pas bien. Il n'y a pas de musique quand on est sur l'eau. C'est nul. C'est nul. Cassandra, de bonnes nouvelles ? Comme tu vois. Bien joué. Désormais, le voile est à toi. Tu n'en veux plus ? Après tout ce que j'ai fait ? Après tous ces efforts ? J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Pour ta peine, Mystios. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être.
Tu es doué, Mystios. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un général en Mégaris? Tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ça t'intéresse? Cela t'emmènerait très loin de Kefalonia. Si loin que tu risquerais de ne pas revenir. Les grades ne sont rien à mes yeux. Je suis une Mystios, pas une meurtrière. Je ne suis pas une meurtrière. Il y a un début à tout. Alors, qu'en dis-tu? J'accepte cette tâche. Qui est le général qui est ce général? On l'appelle le loup. Et il t'a fait quelque chose? Oui, il me coûte de l'argent. Il nuit à mes affaires. Tu as des choses à me dire sur Mégaris? Seulement que c'est la région la plus précieuse du monde grec, sur le plan militaire du moins. Malheureusement pour ses habitants, elle a deux puissants voisins assez... envieux. Dans la lutte à la corde qui oppose Corinthe et Athènes, Mégaris est la corde. Et pourquoi moi? Parce que personne ne te connaît. Tu es invisible. Donc on n'a pas d'autre choix que d'accepter la tâche. Parfait. Il te faudra un bateau. Tu en as un, n'est-ce pas? Non, que je sache, je n'ai pas de bateau. Alors là, je suis perdu. Pourquoi on me dit de dire oui, j'en ai un, si j'en ai pas? Si j'avais un bateau, nous n'aurions pas cette conversation. Dommage. J'ai peur que ce ne soit un peu loin à la nage, même pour toi. J'en trouverai un. Bien, j'espère qu'il est robuste. Et pourquoi ça? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses. La guerre approche et le loup est dans le mauvais camp. La guerre? Contre qui? Toutes les nations du monde grec sont prêtes à s'égorger. Tu vivais au fond d'une caverne? Non, sur une île. Et qu'est-ce qui me prouve que tu es dans le bon camp? Je suis celui qui te paie. Je ne te décevrai pas. Une fois ta tâche accomplie en Mégaris, retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Phokis. Il n'y a rien ici. Ah, quand même! Quand même! Il me faut un bateau. Je devrais aller voir celui qui en construit. Bon, on va regarder un petit peu notre inventaire, nos aptitudes, etc., etc. Alors, avant de regarder les quêtes, d'abord aptitude. Alors, donc, on avait pris ça déjà. Voilà, maintenez R2 pour charger, relâchez R2, donc ça donne un gros coup. Le coup de pied pour assassiner et la vision d'Athéna, enfin la révélation, vision d'Athéna. Alors, et ça, sixième sens, maintenez L2 pour basculer la visée sur cible. Ok. Alors moi ce que j'aimerais en fait là, c'est tir de prédateur. Pour utiliser cette aptitude, affectez-la. Zoom, expédier une flèche infligeant 430 de dégâts, donc il y a ça. Et pour utiliser cette aptitude affectée là, tir simultané de 3 flèches infligeant chacune 100% de dégâts. Alors, je pense que je vais prendre celle-là déjà. Maintenez R2 pour diriger la flèche, ok. On va la mettre sur carré. Il faudra pas que j'oublie. Parce que triangle, ici, on a déjà ça. Ok. Alors, on va essayer de pas se faire de se mélanger les pinceaux avec les touches. Oh oh. Ah! Voile de Pénélope. Ah, on a plus l'air d'un assassin comme ça. Hein. C'est quand même mieux. Hein. Ici, voilà, c'est comment dire ça, ok. On va aller voir un forgeron, bien sûr. Voilà, donc là, on est bien sur toutes les quêtes. Hein. Oui,
Et on me dit la percée. Ok. Alors, on va aller voir le forgeron ici. Voilà. Et ensuite, on va aller là, puisqu'apparemment, c'est là qu'il faut qu'on aille. Est-ce qu'il a le chien? Alors, je vais quand même regarder ça, parce que je trouve bizarre qu'il n'y en ait pas d'autres, en fait. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Alors, vendre. On doit bien avoir des choses à vendre ici. On a des peaux de loup, crocs de lion, torche. Et j'en ai trois. Les perruquiers. Les œufs de poule. Amphore vide, marteau, clé perdue, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert peut-être à rien, peut-être qu'on peut les vendre, j'en sais rien. Du coup, alors, avant de continuer à vendre ou quoi, on va aller là parce que j'aurais dû le faire et j'ai oublié. Alors. Ça c'était dégâts d'assassin et ça c'est dégâts de guerrier. Ça on n'en a pas d'autres. Ça non plus. Ça non plus. Et là non plus, je crois. Ouais, on avait ça, mais bon. Du coup, ça, je sais pas. Les armes à deux mains, ça me plaît pas trop, mais on va voir. Et là, hop. Là, on peut déverrouiller encore des choses, hein, mais je sais pas comment. Tu as besoin de quelque chose? Ben déjà, voir si améliorer c'est mieux, ça coûte moins cher que acheter. Alors, est-ce que j'améliore celle-là? C'est une épée ordinaire, hein. C'est même pas une. Je pense que les améliorations, on va les garder pour. Quand on a des trucs légendaires ou quoi. Alors. Là, on a une épée Chautel. Dégâts chasseurs. Dégâts guerriers, dégâts d'assassin, c'est niveau 5, on s'en fout. Donc on a le choix entre ça et ça. À part les dégâts de chasseur ou dégâts guerriers. On va prendre celle-là. Là on s'en fout. L'arc de niveau 7, il en a pas, donc on va l'améliorer, celui qu'on a. Histoire de pas se retrouver avec un arc qui sert à rien. Donc on peut lui acheter du fer et tablette ancienne. Alors on va améliorer le voile de Pénélope, parce que moi j'aimerais bien le garder. Bon, il est un peu moche, peut-être on en trouvera d'autres un peu mieux, mais... et l'arc.
Voilà. Ravi de te voir. Bon, je pense que c'est bon. Un beau bateau, Télémenès. Cassandra! C'est vrai. Il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. Combien veux-tu pour t'en séparer? Je ne le laisserai pas à moins de 100 000. 100 000? Qui possède une telle fortune? Quelqu'un qui songe sérieusement à acheter un navire. Tu crois qu'on laisse partir pour rien une si belle ouvrage? Si je te proposais de l'obsidienne en échange? Je te dirais que j'en veux toujours 100 000 drachmes. Et même en admettant que j'accepte ton obsidienne, ce navire exige un gros équipage. On est à Kefalonia ici. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses. Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide ton expédition. Tu n'es pas très encourageant, Télémenès. Oh, et sans vouloir en rajouter, on raconte que le Cyclope en a après toi et Marcos. Bah les rumeurs, ou voilà qui ne m'aident pas. Ce ne sont que des rumeurs. Ne crois pas tout ce que tu entends. Les rumeurs disent aussi que son navire est dans la baie de Kleptus. Son navire, tu dis? Il va falloir que je fasse un tour à Kleptus. Fais attention. Ce borgne n'est rien d'autre qu'une route. Je pourrais à la fois prendre son bateau et m'occuper du cyclope. D'une pierre, deux coups. D'accord. Alors, on me dit que... Ouais, d'accord. Pourquoi on me dit que je suis pas loin? Je suis loin, là, de Kleptus, non? Ah bah c'est là, oui. Ouais, donc ça doit être là, en fait. Donc je suis pas à côté... Ouais, je suis pas loin, mais je suis pas à côté non plus. Alors, ok, on va aller là. On va essayer de voir. Alors, peut-être qu'on va pas y aller aujourd'hui. On va s'en rapprocher. Et on va se dire au revoir. Histoire de pas avoir un épisode trop long. Et on aura la suite au prochain épisode. Je sais pas pourquoi je me cache. Alors, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Que vous avez aimé les choix, machin, tout ça. Si vous avez des astuces, vous avez envie de parler, n'hésitez pas via les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, tout ce que je dis tout le temps en fin de vidéo. Voilà, moi j'aime beaucoup le jeu et... je vais faire plus de vidéos parce qu'aussi j'ai plus envie de jouer. Donc... je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Odyssée. Portez-vous bien. Et salut! Alors, tu t'es dégourdi les ailes ?